On a percé, les gars! On a vraiment percé, là! Là, si jamais il y a des gens qui utilisent des photos pour pouvoir aller gérer des go, je me suis dit, là, on est vraiment dans le... Ouh, on a percé! On a percé! Le gars, il met en photo de profil, il met ma photo. Ah, je me suis dit, là, on est bon, les gars. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, tu connais, hein, voilà. Abonne-toi. L'idée quand même c'est qu'on arrive à atteindre les 100K d'abonnés. Comme tu as pu le constater, on n'y est pas du tout. On n'a même pas fait la moitié du chemin. Donc les gars, abonnez-vous en masse. Hein. Je m'appelle Jonathan Hachi et l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre de déterminer, passer à l'action, motiver, créer ta vie sur mesure, etc. Okay, j'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone. Je vends des formations en ligne sur le saxophone. Okay, et pourtant, j'ai grandi à Paris, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Hein, et on a su le faire, les gars. Je vous dis ça pourquoi? Pourquoi je vous dis ça à chaque intro de vidéo? C'est pour que tu n'arrives pas à trouver des excuses. On a tous galéré dans la vie, les gars. Et si tu n'as pas galéré, ben, tant mieux pour toi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'avoir galéré aussi pour réussir. Ce que je veux dire, c'est que arrêtez de trouver des excuses, les gars. Hein. Arrêtez d'être en mode mindset, genre oui, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Non. Si tu veux de l'argent, bah, débrouille-toi, mon gars. C'est comme ça, c'est la vie en fait, la vraie vie. Hein, de toute façon, tu as l'étude de cas là où je te montre exactement comment faire 20K, comment j'ai fait 20K en une semaine. Et passons directement au sujet de la vidéo. On a usurpé mon identité. C'est comment, les gars? On en parle ou pas? À un moment donné, hein. Donc, c'est story time aujourd'hui, storytelling, ok, story time. Ok, on est, les gars, je fais une vidéo par jour, de temps en temps, on va faire des petites vidéos ambiance. Vidéo en mode détendu, hein, en mode on est là tranquille, ok. Il faut rigoler dans la vie, les gars. Il faut rigoler, hein, on n'est pas toujours là, c'est pas que le travail, 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 travail. Il faut rigoler. Non, mais après, il ne faut pas faire l'inverse non plus, hein, parce qu'il y en a qui sont là, on fait que s'amuser, on s'amuse, on s'amuse. Ça ne travaille jamais. Alors, les gars, un moment pour chaque chose. Voilà, soyons dans l'équilibre. Donc du coup, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qui est-ce qui a usurpé mon identité et à quelle fin? Suspense. Ok? Donc alors, comment ça s'est déroulé? Donc moi, j'étais là tranquillement, je travaille. Comme tu le sais, on charbonne tous les jours. On est loin d'avoir atteint les objectifs que l'on veut atteindre. Donc du coup, on taffe. Je taffe et tout. Bon, je vois une notification, machin, Instagram. Voilà, donc au passage, les gars, suivez-moi sur Instagram, hein, je réponds au message. Comme tu viens de voir, j'ai une notification. Déjà, qui est très bonne, très mauvaise erreur. Très mauvaise erreur parce qu'il ne faut pas laisser une notification quand tu travailles. Et donc du coup, je regarde le message et tout, et il y a une meuf et tout, elle me dit, ouais, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook, est-ce que tu as un compte Facebook, tu vois? Après, je lui dis, non, tout ça, enfin, si, j'ai un compte Facebook, mais c'est un compte Facebook privé, et en plus, je l'utilise pratiquement jamais, tu vois, je ne suis pas du tout actif sur mon Facebook privé, personnel. Donc du coup, ça m'étonnerait que ce soit moi qui c'est pas moi, tu vois. Elle me dit, ah ok, tout ça, c'était juste pour savoir et tout, nanana, que c'était pas toi, que genre c'était un faux compte. Après, je lui dis, ok, pas de problème, tout ça. Et après, je vais voir et tout, parce qu'elle me dit, je crois qu'elle me fait une capture d'écran. Ouais, elle me fait une capture d'écran. Ou elle me dit, je crois qu'elle m'envoie une capture d'écran. Elle m'envoie une capture d'écran et après elle me dit, ouais, je vois un gars qui s'appelle Abriel Hachi, tout ça, et qui a repris mes photos. Il a repris mes photos au calme. Il a repris mes photos au calme. Je te ferai, de toute façon, je vais filmer mon écran, je te montrerai. Il a repris mes photos au calme, tout ça, et voilà, donc du coup, il avait contacté la meuf, j'imagine, et tout, machin, en se faisant passer pour moi. Mais il s'appelle Abriel Hachi. Il a mis Abriel Hachi. Mais par contre, tout le reste, il a mis mes photos, il met mes citations, voilà, il met mes photos, il met mes citations, il s'est passé que pour moi, tu vois. Donc au début, quand je vois ça, je me dis, mec, on a percé, les gars! On a vraiment percé, là! Là, si jamais il y a des gens qui utilisent des photos pour pouvoir aller gérer des go, je me suis dit, là, on est vraiment dans le... Ouh, on a percé. On a percé. Le gars, il met en photo de profil, il met ma photo. Ah, je me suis dit, là, on est bon, les gars. Là, si c'est pas un signe, les gars, qu'on est sur le bon chemin et qu'on a percé, les gars, là, je sais pas c'est quoi. Je sais pas qu'est-ce que tu veux de plus. Hein? C'est comme quand tu as ton premier haters. Tu dis, là, on a percé, les gars. On commence à avancer, on commence à être pas mal. Ok? Donc, j'étais assez content, je rigolais, tout, rien, ça faisait rien. Donc, du coup, après, je n'ai pas calculé, tu vois. Moi, je m'en fiche, je fais ce qu'il veut, rien.
si veut se repasser pour moi, que si ça peut t'arranger, ça peut, j'ai envie de te dire, si ça peut t'aider dans ta vie, de te faire passer pour moi, hein, vas-y, voilà. Voilà, j'étais pas, après j'ai fermé le truc, je me suis concentré sur mon taf, tu vois. Par contre, après, je crois que le lendemain, j'ai reçu un autre message de notre meuf et tout. Elle me dit, ouais, est-ce que c'est bien toi, le compte et tout, nanana. Et elle m'envoie la capture d'écran, encore le même gars. Et elle me dit, ouais, parce que je lui dis, bah non, c'est pas moi, déjà. Je lui dis, non, c'est pas moi. Et elle me dit, ah ok, parce qu'il me disait des trucs, je sais plus qu'est-ce qu'il me dit. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a demandé de lui envoyer des photos. Et après, je lui dis que bah, je l'ai déjà envoyé sur ton Instagram. Et après, il m'a bloqué. Là, j'ai fait, wow. Du coup, j'avais pas vu ça comme ça. En fait, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, s'il commence à utiliser mes photos pour demander à des gos, des meufs, de lui envoyer des photos, je me suis dit, waouh! Attention, je ne veux pas être mélangé à tout ça quand même. Là, quand même, hein, t'es d'accord avec moi? J'ai envie de te dire, jusque-là, c'était marrant, mais là, ça commence à passer sur un truc où là, c'est moins drôle, là, les gars. Si tu commences à demander des photos, hein, et on imagine bien que les photos qu'ils demandent, on s'est compris. Donc du coup, j'ai dit, attends. Là, par contre, là, ça va trop loin. Là, ça va trop loin. Et du coup, j'ai même fait une story, hein, pour ceux dédicaces à ceux qui sont sur Instagram. J'ai dit, non, par contre, il faut le signaler, là, ça va abuser, tu vois. Donc j'ai dit aux gens de la story, ceux qui me suivent sur la story, vas-y, allez signaler, parce que là, il abuse, tu vois. C'était marrant, si c'est bon enfant, ça va, mais si tu commences à faire le fou, non, c'est pas bon. Donc du coup, et moi-même, je vais signaler Facebook, hein. Donc du coup, je signale à Facebook, tac, il m'envoie un email rapidement, tac, tac, tac. Hein, bon, c'est automatisé, mais bon, quand même, ça fait plaisir. Tac, il m'envoie un email, boum, boum, merci. Merci, Jonathan, d'avoir signalé. C'est grâce à des gens comme vous, toi. C'est grâce à des gens comme toi que Facebook est en sécurité. Vraiment, du fond de notre cœur, nous te remercions. Je paraphe, mais c'est principalement ce qu'ils m'ont dit. Hein. Et quand j'ai reçu l'image, j'ai dit, oh, bah, c'est vrai que j'ai bien fait quand même. C'est vrai que ils ont raison. Facebook a raison. De toute façon, Facebook a toujours raison. Hein. Moi, je veux pas de problème. Facebook a toujours raison, tu vois. Et donc, du coup, il me dit, nous prenons en compte très sérieusement, attention, très sérieusement le signalement là que vous avez fait. Et nous allons rapidement, grâce à nos scanners, je me dis, oh, c'est vrai que les Facebook, ils sont vraiment dans l'intelligence artificielle, je pense qu'ils sont là. C'est... Je me suis dit, on est au max. Grâce à nos scanners, nous allons vite voir ce qu'il en est et prendre les dispositions qui doivent être prises. Je me suis dit, bon, ben là, on est entre de bonnes mains. Hein? Donc, je vais taffer et tout, machin. Et là, ils m'envoient un message assez rapidement, d'ailleurs, hein, très réactif. Hein, hein, ils sont beaucoup moins réactifs quand tu te fais bloquer ton business manager. Hein, mais là, très, très, très réactif. Hein, là, une heure après, un truc comme ça, même 30 minutes après. Hop, ils m'envoient un mail. Ils m'ont dit, ben, nous venons d'analyser le profil et en fait, on ne voit pas vraiment de problème, en fait. Hein. Nous ne comprenons même pas pourquoi vous êtes venu nous voir, en fait. Pourquoi vous nous avez envoyé un message, en fait. Pourquoi vous nous avez dérangé. On ne comprend pas, en fait. Abriel Hachi, bon, certes, il a les mêmes photos. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous, vous ressemblez tous, quoi. Hein. Bon, non, il n'a pas dit ça. Mais bon, apparemment, pour Facebook, il ne voit pas de problème, en fait. Pour lui, non. Pour lui, il n'y a pas d'usurpation, quoi. Le gars a les mêmes photos que moi, il a le nom de famille, il a juste changé Abriel au lieu de mettre Jonathan, que de toute façon, il ne peut pas utiliser, c'est déjà pris sur Facebook, parce que c'est moi. Hein. Donc du coup, il a juste changé le prénom, et il a toutes les photos de mes photos, et Facebook... Intelligence artificielle, Mark Zuckerberg, Facebook, je veux conquérir le monde. Non, il ne voit pas de problème. Il ne voit pas de pour lui. Oh, bah non, bah, tout se passe bien. On ne voit pas vraiment le problème. Vas-y, d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi. Donc je me suis dit, c'est un bug. Donc j'ai re-essayé. Il me répond la même chose. Bah non, il n'y a aucun problème, monsieur. On ne comprend pas pourquoi vous faites deux fois. Pourquoi? Après, il y a des personnes qui ont fait aussi sur Instagram, qui ont signalé le compte, ils ont reçu le même email. Mais non, mais on ne voit pas le problème, monsieur. Donc voilà. Donc voilà où on en est. Donc, usurpation d'identité. Donc alors, partagez cette vidéo en masse.
hein, pour toutes les personnes hein, qui pourraient se faire piéger hein, par Abriel. Hein, donc, en plus, je pense qu'Abriel, il regarde mes vidéos. Donc, salut Abriel, salut à toi. Ça fait plaisir parce que vu comment il est capable de reprendre mes mots, ce que je dis, c'est qu'il regarde mes vidéos. Donc, sache, Abriel, que je ne comprends pas trop la stratégie, quand même. Hein, et je veux dire, à quoi ça sert? À un moment donné, les filles, elles vont bien voir que c'est pas toi, en fait. Elles vont bien voir à un moment donné, non? Ou à moins que tu veux que des photos, je sais pas, je sais pas. Ah là, ça, c'est très mystérieux pour moi, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Je ne sais pas, c'est très mystérieux pour moi. Mais je pense quand même que ce serait plus... Ah, si tu regardes mes vidéos, Gabriel, tu fais un travail sur toi. Reprends mon étude de cas, c'est offert. Hein, je te montre exactement comment faire 20 000 euros. Et tu n'auras même pas besoin d'utiliser mes photos pour pouvoir faire tout ce que tu as à faire. Voilà. Donc voilà les gars, c'est ce que je voulais vous partager, story time, hein. Des fois faut qu'on rigole, faut se détendre. Donc là jusqu'aujourd'hui, ben, Facebook pour eux, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc Gabriel il est libre de faire ce qu'il veut, hein, et de demander ce qu'il veut à qui il veut. Voilà, avec mes photos et mon nom de famille et tout. Bravo Facebook. De mieux en mieux, hein. Donc je te partagerai, j'ai fait même mon écran, je te partagerai tout ça les gars. Donc les gars, nous voici sur le compte de Gabriel. Hein, donc Gabriel il est détendu hein, comme tu peux le constater sur ce compte. Voilà, petite photo de profil au calme, il n'y a rien, il est détendu. C'est-à-dire, s'il y a un gars qui est détendu dans la vie, je pense que c'est Gabriel. Hein, voilà, entrepreneur, from Brock to successful, saxophoniste évidemment. Et à un moment donné, voilà, fitness, bon voilà le gars, voilà hein. Gars, il est là. Bon, là, il s'est lâché. Hein, là, il s'est dit, voilà, là, il a fait sa propre citation. Je n'ai jamais su si c'était de l'amour ou une très belle conversation. Donc là, je pense qu'il est parti en mode, voilà, il a fait un petit truc un peu pas trop business, un petit peu plus vers relation, tu vois, hein, pour pouvoir avoir des prospects qualifiés, j'imagine, hein, j'imagine. Hein. Donc là, il répète des trucs que je dis carrément, voilà, très très fort. Bon, moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est assidu. Ça, d'ailleurs, Gabriel, ça se trouve que tu regardes cette vidéo, parce que je vois que tu connais très bien ma manière de parler. Ah, mais bah, Gabriel, par contre, ce serait quand même bien que tu penses à travailler sur toi, pour pouvoir devenir une nouvelle version de toi-même, pour ne pas avoir besoin d'utiliser les photos des autres, quoi. Sache que si tu travailles sur toi, ça va fonctionner aussi. Alors, on mesure le leadership d'une personne à la tête de sa vision. Voilà, le gars. Et là, il s'est lâché. Et là, il a fait un petit montage. Il a fait un petit montage. Il a mis deux photos à moi. Success. Ouais, c'est ça. Échec plus persévérance. Ah, bon, vous savez, si vous me suivez, que je dis tout le temps ça. Voilà, bon, ben voilà. Le gars, il s'est fait plaisir. Petite rose, hein, j'imagine, hein, pour la gente féminine. Hein. Voilà, voilà, il a des petites photos de moi ici, par-ci, par-là, il reprend un petit peu mes posts. Bon, voilà, hein, c'est marrant, voilà, petit commentaire, il doit s'ambiancer tranquillement, voilà, voilà, il doit s'ambiancer tranquillement. Je comprends pas trop le concept, hein. Bon, je t'avoue, parce qu'à un moment donné, elles vont bien voir que c'est pas toi. Bon, voilà, bon, ça c'était juste pour vous faire kiffer, les gars, n'hésitez pas à les signaler, évidemment, le compte, hein, j'ai essayé, mais Facebook, apparemment, son problème, il a dit mais non, tu vois pas le problème. Facebook a dit, je comprends pas, c'est quoi le problème, mais rien. Ah, tu voyais bien quand même que c'est Abriel Hachi, c'est peut-être votre cousin, peut-être que vous vous ressemblez. Anyway, bref. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir les gars, hein, hein, la charrière on est déterminé ou pas? Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, hein, une vidéo détendue, on est là ensemble. Ah oui, après il y a une autre meuf encore qui m'a envoyé, oui, après j'ai reçu encore d'autres messages. Elle me demande, ouais, est-ce que c'est bien toi et tout, ou est-ce que c'est un faux compte. On vient de dire à chaque fois c'est un faux compte. Bref, donc du coup ça m'a donné l'idée de faire une vidéo. Je me suis dit très bien, parce qu'au moment en plus où j'ai reçu le message de cette fille-là, j'étais en train de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire comme sujet de vidéo, hein. Tu connais, on fait une vidéo par jour les gars, faut réfléchir, hein. qu'est-ce qu'on va dire, hein, voilà. Et ben j'ai dit, c'est parfait, merci Gabriel. Idée de vidéo, on est là, c'est cadeau les gars, on est détendu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que Gabriel s'était fait cramer, on sait que c'est toi. Et t'as toujours l'étude de cas à offert les gars, où je te montre exactement comment faire, comment j'ai fait 20K, hein, c'est détaillé, étape par étape. Et voilà, bah, c'est tout, hein. Et les gars, on lâche rien, et on reste déterminés, même s'il y a des usurpations d'identité, on est là, on est ensemble.
Il y a eux et il y a nous. Vous êtes au camp.